ألفا روميو أعلنت مؤخراً على الإطلاق الرسمي في المغرب النسخ معدلة أو ما يعرف فيس ليفت ديال لا بيرلين فاميليال جوليا والـ SUV فاميليال ستيلفيو. من ناحية الشكل، الطوموبيلات بجوج استفدوا من بعض التغييرات. مثلا في القدام لا كالوندر تريلوبو ولات عصرية، زيادة على الأضواء الجداد ماتريسيال أدابتاتيف فول ليد اللي ولاو على شكل 3+3 بحال ديال تونالي. أما اللورفة ولاو عندنا أضواء جداد أليد بتصميم جميل وجديد كليا. في الداخل أهم تغيير كيهم لو طابلو دبور كانو كيالي اللي ولا فيها نيكرون جديد كلو نوميريك وبارامترابل ديال 12.3 بوص، بالإضافة لسيستم ملتيميديا اللي دارت ليه ميزاجور بحالو بحال الموديل الجداد ديال الجروب ستيلانتيس. في المغرب لي جوليا ستيلفيو روستيلي قدروا يعولوا على امتياز كبير باش يطوروا المبيعات ديالهم كيف ما غادي يشرح لنا مهدي الغزاوي. Donc comme vous le savez, la Stelvio et la Giulia ont déjà connu une trajectoire très ambitieuse dans le monde. Au Maroc, je dirais que le best-seller, bien sûr, était le Stelvio jusqu'à maintenant. C'est également un véhicule qui a connu assez peu de modifications sur ses deux premières vies. Là, on passe à la phase 3, effectivement. C'est un véhicule qui est très apprécié du fait de son design, du fait là encore de sa sportivité. La Giulia a connu moins de succès que le Stelvio, bizarrement je dirais, puisque c'est une voiture qui est extrêmement performante, mais qui s'adressait jusqu'à maintenant plus à une clientèle vraiment de très avertie, de sportifs ou d'alphistes. Et là, aujourd'hui, nous allons voir que nous sommes là pour ouvrir ce modèle à plus de monde, à une clientèle encore plus large, le tout avec un pricing qui est extrêmement agressif, je dirais, qui est bien en dessous de ce qui se faisait précédemment et qui nous place, je pense, d'emblée parmi les leaders sur le premium en termes de proposition de prix par rapport à la valeur. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi qu'on arrive avec un moteur qui est revu, avec 160 chevaux, qui est extrêmement compétitif en termes d'émissions de CO2, alors que c'est un diesel, hein, 2 litres 2 quand même. Un diesel, il est extrêmement compétitif avec du 6 litres 5 au 100, avec un poids qui est donc très réduit pour accélérer sa sportivité, et également avec un couple qui est extrêmement intéressant, puisqu'on est à 450 Nm. Donc c'est une propulsion, un véhicule sportif qui consomme peu, qui a de faible émission de CO2, qui est très bien équipé et qui en plus démarre à 465 000 dirhams. Pour Stelvio, c'est à peine plus puisqu'on démarre à 470 000 dirhams pour la même proposition en termes de motorisation. Mais là, cette fois, c'est sur un SUV qui pèse 200 kg de moins que ses concurrents puisqu'on est à 1680 kg en poids vide contre une moyenne de presque 1900 kg pour les concurrents. Donc là aussi, ça nous fait gagner en économie d'énergie, ça nous fait gagner en sportivité et en réactivité. Donc là, on a des objectifs de vente qui sont de placer le Stelvio dans le top 3 et de placer la Giulia dans le top 4. من ناحية لي موتوريزاسيون، هاد جوليا و ستيلفيو متوفرين في جوج ديال لي بلوك ديزل اللي هما 2.2 لتر ديال 160 و 210 شوفو و ثلاثة ديال لي فينيسيون اللي هما سبرينت فيلوتشي ولا سيري سبيسيال كومبيتيزيوني اللي كتمتاز بلا كولور مات غري مون لايت. واخيرا كيف العاده مزيد من المعلومات على لي جوليا و ستيلفيو هوستيلي غتلقاوهم على واندالو.com. À très vite sur wandalou.com.